Net. Je m'en vais où là? Hein? Je m'en vais dans un bar, un lit. Ça me fait pareil. Je vais passer du cheese. Thank you. Hope you're doing good today. I'm doing fine, grâce à Dieu. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour les nouveaux, j'espère que vous allez aimer cette vidéo, que vous allez aimer les vidéos sur ma chaîne et que vous allez vous abonner. Et pour ceux qui sont sur ma chaîne, d'enfants qui se sont abonnés déjà, merci de votre support. Merci, 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 merci. Aujourd'hui, j'essaie quelque chose de nouveau qui... si vous êtes sur YouTube, vous savez un peu, ça s'appelle le try haul. So, j'ai commandé sur Shein pour la première fois. Et là, j'essaie de voir ce que ça pourrait donner de faire un try haul chez eux. Donc, j'ai reçu la boîte il y a plusieurs jours déjà. Mais je me suis dit, il faut que je fasse la vidéo. Donc, je vais garder l'effet de surprise pour la vidéo. Donc, j'ai même pas encore regardé les morceaux. Fait que j'ai hâte. J'ai hâte. Et à la fin, il va y avoir aussi un giveaway parce que je vous raconterai. Pour commencer, je voudrais juste faire un shout-out à Prophetic Wear. Dans le fond, eux autres, ils font des linges pour en lien avec la parole de Dieu et Dieu, bien sûr. Donc, j'ai commandé pour la première fois un suit, like jogging suit. Pour la première fois parce que j'ai jamais commandé de pantalon chez eux, mais toujours des hauts. Puis, je suis agréablement surprise de la qualité, de la douceur. C'est une compagnie que j'aime, que j'apprécie beaucoup, la Black Horner, you know. Support the team. So, yeah. OK. Donc, j'ai changé de pantalon parce que ça allait pas trop bien avec l'autre. C'est un pantalon super doupeux aux tailles et super doupeux éléphant. Donc... faudrait que je recule, Voyez-vous à quel point c'est éléphant? Bref, ça, ça vient même pas de cette collection, ça vient de Boo. Donc, c'est le chandail qui nous intéresse, la chemise plutôt. Dans le magasin, ben, en tout cas sur le site, le mannequin l'avait comme ça. Donc, le style, c'est comme ça. Vous savez, les chemises, maintenant, on les met n'importe comment dépravées là. C'est ça le style. Donc, on peut le mettre comme ça, c'est sûr. Ou? Faire attention. On peut mettre comme ça, mais... Donc, c'est vraiment comme ça. Ça fait comme ça. Moi, perso, j'aime bien ça parce que j'aime un peu les épaules, tout ce qui est épaules dénudées un petit peu. Puis, on peut descendre, on peut ouvrir un bouton pour que ce soit un peu plus révélateur, mais je ne suis pas là pour ça. Et voilà l'effet que je disais que ça faisait. Un peu... toute genre tournée, genre bref, et moi je pense que je l'ai pris, puis c'est déjà style oversize, puis je pense que je voulais tellement être sûre que ce soit oversize que je l'ai pris, small, je l'ai pris small people, puis je pensais comme peut-être le prendre medium, mais... il est assez oversize de même, mais j'aime vraiment le style. I like it avec un pantalon haute taille, you know. Ça fait la job. Donc, yeah, c'est un yes pour moi. Puis avec ça, là, avec ces choses-là, waouh. Avec les choses, si vous voyez un petit peu, là, avec le style comme ça, là. Yes! Celui-là, je ne sais pas quoi dire. Je vais commencer par la qualité. La qualité est vraiment bien, vraiment, vraiment. Je m'attendais à un tissu vraiment fin et comme quasiment déchirable. Mais ça, c'est comme un tissu pas très épais, mais épais. Puis, tu sais, très loose. Je sais pas comment l'expliquer, mais ça viendra. Bref, c'est un kit fait pour être oversize. OK. C'est fait pour être oversize, but il y a oversize puis il y a oversizé là, ok? C'est un small, on s'entend? Je suis petite, je le sais, mais s'il vous plaît là,
Ben, au moins, il y a des trucs pour mettre une ceinture parce que j'allais être chirope là, moi là. Perso, moi j'aime vraiment ce qui est oversize puis ce qui est loose. Puis je travaille dans une banque donc, you know, c'est. Oh, puis en plus, il y a des poches. Ça, c'est vraiment intéressant. Il y a des poches. Donc, oui, ça peut faire un style personnellement comme ça là. Moi, j'aime bien quand que, you know, c'est. On va cacher ça. Bref, il y a juste un bouton. Fait qu'on va dire que c'était un peu plus tight comme ça. OK? Puis, avec le pantalon. Une chose que j'ai des amis designers couturières parce que. On pourrait pas finir avec ça. Comme ça. Donc, c'est pas large. Et. Je m'attendais à ce que ce soit large, mais à ce point-là, non. Mais il y avait un rose aussi, c'est juste que je pensais que rose, c'était trop comme, tu sais, pas passe-partout. Mais j'aime bien, perso, j'aime bien quelques petits ajustements, une ceinture, you know, girl. Puis un petit pincette, des pincettes. We good to go. Ça, c'est tout simplement un bodysuit. Qui est extra small. J'ai pris extra small parce qu'il n'y avait pas ma grandeur. Puis là, je suis comme, quoi c'est dedans? C'est fou, mais au moins, c'est un bodysuit, ça m'attache correctement. Un basic à avoir, un col roulé noir, là, ça marche avec tout. Et c'est toujours cute. Et j'aime la qualité. Voyez-vous, c'est un beau noir. Je les aime beau mes noirs. Bref, c'est un beau noir. C'est une belle. Un beau design. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est ça. Bodysuit. Bien, bien simple, mais toujours agréable à porter. Et toujours intéressant dans un. Comme col roulé. Puis ça, c'est mon fameux pantalon. Comme. Prochain article, j'aime beaucoup les grandes chemises, like super double grandes chemises. Et encore une fois, je l'ai pris dans le small. Fait que imaginez si j'avais pris dans le medium. Je voulais faire comme vraiment effet oversize. Fait que je me suis dit, oh, je vais peut-être prendre certaines choses dans le medium. Mais non, on est mis dans le small. Puis dans le fond, encore une fois, la qualité, agréablement surprise. Je m'attendais pas à une chemise vraiment. C'est pas un vieux tissu, si je peux dire, dans le sens que ça va s'effriter, excusez-moi, assez rapidement, ou sinon que ça va se déchirer. Bref, la manche est assez longue, le bouton est là, puis on peut redresser ici, faire un autre style. You know? I like it. Et deux gigantesques poches. on va pas le défaire comme ça. Voilà. Un petit repasser, ça va être mieux. Mais sinon, c'est vraiment. D'abord, c'est une robe. Une robe chemise. Tu sais, avec soit des longues bottes. Puis, moi, j'aime bien attacher. Si ça fait un style attaché ici, comme ça, au col. Mais là, on va le laisser comme ça. Puis, j'ai pris aussi, parce que c'était le but, un corset, le tsunami. Hein? Ben oui, là, là, là. Si j'arrive à l'attacher, là, là, là. OK. On avance un petit peu. Et voilà. C'est quand même court à côté. Là. Bref, il y a deux fentes aussi. OK. OK. Ça fait pas mal sac. Mais avec le corset, ça fait un autre style. Si je monte juste un petit peu plus haut. Voilà. Ça fait si je le monte comme ça, là, on est dans une autre millénaire. Mais sinon, j'aime bien. Avec des longues bottes, encore une fois. Ou des talons, des petites bottines chaussettes. Ça fait bien l'affaire. Mieux arrangé aussi, on s'entend.
Mais vous voyez un peu le genre et le style. Yes. Là, je vais vous montrer un 2 en 1. Ça, on va commencer par le petit kit Pitbull. J'aime beaucoup le tissu qui est stretch, mais pas super, super stretch. Mais j'adore le tissu doux et stretch. Mais il est confortable. Et je m'attendais à ce que ce soit un peu plus plaqué que ça. Mais c'est correct. On va juste prendre plus de poids pour arriver à fitter. Puis ici, il y a un élastique ici. Donc, c'est plus resserré. Puis il y a une petite pince ici qui fait comme un peu plus centré. C'est vraiment cute. Les bretelles, c'est. Don't mind my underarm, alright? Les bretelles, c'est des bretelles spaghetti. Donc, mais il y a un ajustement. Donc, on peut l'ajuster. Puis, non, je trouve ça bien C'est très cute. cute. Je trouve ça vraiment cute. Et le chapeau. Également en pied de poule. C'est cute. Je vais aimer des affaires cute toute ma vie, même à 50 ans, je vais aimer des affaires, des petites affaires cute. Donc, c'est ça. Donc, le chapeau dans le giveaway, parce que je l'ai acheté deux fois. C'est C'est ça. ça. Donc, un petit chapeau, quand même, un lacet derrière. Deux lacets plutôt pour resserrer. Mais pour moi, il est assez. Il est déjà assez serré. Donc, ici, il y a deux cordes pour resserrer si c'est pas assez ou si c'est trop loose. Mais pour moi, je trouve ça. C'est juste là comme. Faudrait pas que ma tête elle enfle. Une Faudrait pas que ma veste, tête c'est elle bien enfle. simple, hein, mais une veste avec des épaulettes et un peu oversize. Celle-là, je l'ai vraiment pris medium pour que ce soit oversize. And I like it. On s'entend que je mettrai peut-être pas les deux ensemble par contre, mais je trouve ça vraiment bien. Ça arrive quasiment à la longueur de la jupe. Et y a pas, c'est pas une manche comme les vestes en tant que telles, les vraies vestes, si je peux dire. Mais il y a l'encolure qui est faite comme une veste. Il y a deux boutons de chaque bord. Et il y a un bouton à l'intérieur. C'est comme ça qu'il était attaché. Puis je pense que on peut l'attacher comme ça. Avec les quatre boutons. Ça fait vraiment oversize. Ça fait loose pas mal. Mais j'aime. Ce qui manquerait, c'est très des poches. Des poches. Mais encore une fois, avec une ceinture ou autre chose, on peut le. Le cintrer un petit peu. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. On peut le resserrer un peu la taille. Mais moi, c'est pour aller au travail. Puis j'aime bien quand je suis confortable. Avec mon petit chandail col roulé, un petit pantalon noir. On met ça all black everything. Puis même avec le petit pitbull sur ma tête. Ça peut faire la job. Donc, on a ce chandail. Un chandail crop. Qui beige. Encore une fois, super doux. Je ne sais pas si c'est leur but, leur mission de faire des trucs super doux, mais waouh, je suis full agréablement surprise. Moi qui aime les trucs doux, 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 doux. Puis imaginez le mettre sur soi. À l'intérieur, c'est fait vraiment comme. Je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est doux. C'est doux. À l'intérieur, c'est plus doux qu'à l'extérieur, mais c'est doux quand même. My God, I'm in love. Ok, je suis pas une personne crop top, mais je suis une personne high waist. Donc j'aime ce qui fait high waist. Puis avec un crop, ben, what can you have more? Like, et c'est encore une fois moi puis mes cols roulés. On est des meilleurs amis, donc il est super large, fait qu'on peut le plié. C'est pas le même tissu à l'intérieur que ici, mais c'est style doux, c'est une super bonne qualité. Bref, c'est très joli. C'est très joli. Un peu transparent par contre.
Peut-être que, tu sais, c'est pas le meilleur soutif que j'ai mis, mais c'est ça. Juste un petit peu transparent. Mais c'est super joli. C'est super Et joli. vous allez dire que c'est le même, mais c'est pas le même. C'est un autre pantalon, dans le fond. C'est pas le même outfit. C'est un autre pantalon. Et quand je vous dis que je suis pas chanceuse tout le temps avec mes pantalons, là, comme ça, là, il me fait un espace de taureau, OK? Puis, c'est comme pattes d'éléphant, assez large. J'aime bien pour aller travailler et tout. C'est pas mal des trucs, pas mal beaucoup que j'ai pris pour aller travailler. Le tissu est très stretch. Très stretch. Et encore une fois, très doux. Donc, sérieusement, rien à redire, mis à part que ça me fait une coupe un peu bizarre. Mais on va dire que je mets ça avec. Si j'ai pas de l'air à quelqu'un. Hein? Puis là, on redresse un petit peu, faire un petit style. Un style la nette, Et voilà, dites-moi que j'ai pas de l'air à quelqu'un. Dites-moi. Ok, on s'entend que c'est super duper simple. Il n'y a pas plus simple que ça, mais la simplicité a meilleur goût, les amis. La simplicité, la beauté dans les choses simples, c'est incomparable. Quand t'en fais trop, c'est parce que, justement, t'en as fait pour que ce soit beau. Mais quand c'est simple, personnellement, c'est pas de best outfit, je le sais. Mais juste la couleur, le contraste, le noir et le beige, avec un autre pantalon, on va dire beige. Guys. OK? Eh bien, c'est ça. OK? C'est ça. OK. Je sais pas pourquoi j'ai acheté des pantalons de même toile, bagaille. Bref, je sais que c'est pour le travail, mais là, quand je vous dis là. Hein, là. C'est un small. But, comme je dis, avec des petites pincettes, avec une ceinture, ça devrait le faire parce qu'on s'entend que je m'en vais nulle part comme ça, hein. Je vais pas travailler de même là, à la G-Unit, non. Montez ça pour moi, montez ça pour moi. Donc, deux pincettes ou une ceinture, tout simplement. On monte ça. Ça fait un beau petit derrière. Et c'est super large, encore une fois. Moi, j'aime ça. J'aime ça parce que c'est confortable. Le confort avant tout. La simplicité après. Et la beauté. Mais de toute façon, confortable, simple et beau, là, on aime ça à tous les jours. Les poches, matériel encore une fois, super souple. Tu sais, c'est comme, pas une toile souple dans le sens que, ça vole au vent parce que c'est tellement léger, mais souple parce que c'est un matériel souple. J'aime vraiment. Sérieux, là, je suis vraiment pas déçue pour la qualité. Bravo, Chine. Bravo. Bravo. C'est un chapeau. On s'entend. C'est un chapeau, mais quand je l'ai vu, je l'aimais tellement. Puis j'en voulais un, donc let's try it on. Ok, je suis pas bien pour là, mais. Moi, j'ai une tête à chapeau, j'ai une face à lunettes, si vous voyez ici. Et sérieusement, tout ce qui est chapeau, lunettes, I'm here for that. Limite, je veux pas que ça paraisse comme si que j'étais Indiana Jones là, mais tout dépendant comment on le met, comme ça, ou juste plus comme ça fait un style totalement différent. Et ça fait partie de mon giveaway parce que devinez quoi, j'en ai commandé non pas un, non pas deux, mais trois, trois pareils. C'est ça. Donc j'en ai deux autres que je vais peut-être pas faire tirer, mais que je vais donner. Et je vous expliquerai un peu le but après. Le deuxième et le troisième. Donc, encore une fois, j'ai une tête à chapeau. Moi puis les chapeaux, nous sommes des meilleurs amis. Trop chou, style un peu mouton. Mais c'est trop joli.
Pas comme ça. Comme ça. C'est trop joli. Ok, mais c'est vraiment joli. Je m'attendais à ce que ce soit un peu comme quelque chose de, je sais pas, je suis pas sûre, mais non, c'est joli. C'est très joli. I like that. Vous savez, moi, puis les chapeaux. Ok? Si on reste dans le même genre, dans le même thème de chapeau, on va aller. Si je réussis à l'ouvrir. On va prendre son temps pour l'ouverture. Voilà. Il veut pas, lui, il veut pas. Le même style encore. Style béret. Et oui, j'ai oublié de mentionner encore une fois, il y a des cordes pour que ce soit plus serré. En tout cas, j'aime vraiment. C'est vraiment cool. Qu'est-ce que je veux dire? Genre, s'il y aurait fait là, comme je veux tellement, genre. You. Un genre de béret. Je suis triste. First of everything, personne n'a du cob à gaspiller, ok? Puis deuxièmement, je le voulais vraiment. Ok. On se résigne. J'en ai un beau ici. Et j'en ai un autre noir que j'ai acheté 3 fois. Bref, giveaway si like, quelqu'un a une petite tête là. Parce que peut-être c'est pour enfant. Je le verrais bien sur un petit enfant bien stylé là. Tell me if you would rajouter dans ma collection. Je porte des 7,5, 8 gros max. 7, 7,5 plus, ça c'est 7,5, ça dit. Non, ça dit 40. J'ai pris 40 en pensant que quand j'ai vu la charte des shoes américains, européens, contrairement à américains, vu qu'on a les mêmes pointures que les américains, je me suis dit, it should be 40. It should be 40 for me. So, let me try it on first. Parce que si c'est pas ça, si c'est pas ça, ça rentrera pas dans un giveaway, ok? Non. On m'a forcé pour que ça rentre dans mes pieds. C'est pas vrai. Y a-t-il quelque chose dans le fond? Yo! Je me disais, ok, c'est confortable, mais c'est un petit gens-tête. Ok, now we're talking. Pile poil comme ma grandeur, my size. Comme 41 ça aurait pas été un problème non plus. En tout cas, ça rentre ben comme il faut. Et j'ai pris 70 pouces. Guys, c'est haut un genre. Mais. Avec mon petit sapou. Pas comme ça, mais comme ça. Avec mes grosses bottines. Sérieux? Peut-être pas. Ben, je sais pas parce que là, j'ai l'air d'avoir un petit au bois jambier avec des gros mamans boyaux. Bottes. Ça fait un genre, ça fait un style que j'aime bien. Je mets pas d'argent par contre, ça se peut que ceux-là, ils passent dans le giveaway. Voilà. Mais ceux-là, ils vont rester à moi. Parce que c'est douteux, sous peu, classe. Puis je pense que ça va en plus avec le style.
Ça me fait beaucoup penser au style année. Ça me fait beaucoup penser au style années 80 un peu. Début 90. Bref. Avant 2000. Avant que les bails deviennent bizarres. Et nous, tous les styles d'avant reviennent. Donc. Ne jetez rien. Gardez vos affaires. Dans 10 ans, ça va revenir. Wadin Teddy. Donc. Avec le petit style comme ça. Ça peut. C'est super classique aussi, là. Mais ça fait aussi super comme. Ça fait aussi super. J'ai du style. Tu comprends? Ça fait aussi super. J'ai du style, les amis. Moi, puis les lunettes. Nous sommes des meilleurs amis. Petite précision, mes meilleurs amis, c'est des cols roulés, des lunettes et des chapeaux. Merci. J'ai une collection ici. C'est super joli. Hein? C'est super joli. Super joli. Et, last but not the least, j'ai enlevé ces bouillons-là parce que, hein, à un moment donné, là, je vais vous montrer en plus. Ma petite collection de bouillots comme ça que j'ai. Those glasses, people. J'aime les lunettes. Je sais pas pourquoi. Comme depuis que j'étais jeune, je mettais les lunettes de ma mère. Je les mettais, je voyais en trip. Je voyais comme un escalier. Genre, je montais, je marchais comme ça. Puis j'étais comme si que je voulais juste mettre des lunettes dans ma vie, ok? Fait que je mettais des lunettes. Puis maintenant, je dois en porter. Je me plains pas. Mais j'ai une bonne vue. Mais regardez cette merveille. Regardez cette merveille. Aïe, que c'est cute. Oh my God. Puis c'est super. C'est super de la qualité. J'ai pas parlé des choses, mais c'est qualité aussi. C'est pas épais, par contre. Mais moi, je mets mes autres choses comme ça pour l'hiver. So, je pense que ça, je peux le faire aussi. Mais c'est beau comme ça, mais imaginez dans mes yeux à moi. Ah! Ok. Ok. J'ai dit ok là. C'est tout. On va enlever ça juste pour comme voir vraiment la beauté de la chose. On s'entend que sans le chapeau, les poules d'oreilles, ça ne mâche pas. Ben. Look at this, people. It is super cute. Like, seriously? Oh, mon Dieu. Est-ce que... Je sais pas. Il y a quelque chose, par contre, qui me dérange. J'ai l'impression que ça fait effet... Effet un peu loop ou à moins parce qu'il est pas super dread. Faudrait pas le péter, hein? Bref, on va pas trouver des petites bibites tout ce qu'il y en a pas, ok? Avec mon chapeau, mes lunettes, je m'en vais où là, hein? Je m'en vais dans un bail, une bille. Dans le rap, hein. Je vais aller danser du chingis. Ragder. Ok, guys, ok. Là, je commence un peu dépaler parce que I'm so happy for those things, clothes, accessories, and hat, glasses, boots. Mais les blancs sont un genre jumbo, mon gars. C'est no joke là. C'est no joke là. Déjà que je trouve ça, c'est haut. Mais c'est super confortable parce que ça équivaut ça comme talon. Fait que c'est pas comme si mon pied était chancré par devant. Donc voilà, guys. Je vais juste vous dire
Encore une fois, merci de d'avoir en tout cas toffé jusqu'à là. Si vous êtes encore là, merci beaucoup. Puis, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, do something, like, show me some love. It's free. How many things in the world is free? But this thing is free, so just show me some love, okay? All right? Share, comment, like, subscribe, do something. Do you and do something. Trois giveaways, trois chapeaux. Et vous êtes intéressés. Laissez-moi savoir, envoyez-moi un message sur Instagram ou YouTube. Montrez-moi que vous êtes là, que vous avez vu la vidéo, que vous êtes intéressé. Puis partagez la vidéo comme ça si vous n'êtes pas intéressé, mais peut-être qu'une autre personne que vous connaissez. Okay. Once again, thanks for the love, people. Thanks for the love. Hope you will be blessed and have a good one. God bless you. Peace.